T'enchaînes avec une autre question. Mélanite, est-ce que tu as déjà mangé du porc? Oui. N'aie pas peur, n'aie pas peur. Franchement, si t'as pas peur, normalement... Oh, mais je vois. Mais c'est pas possible. La machine... Je peux toucher ton cœur? Vas-y. C'est la prothèse. Je ne sens rien. Je ne sens rien. Je bats des prothèses. Donne-moi ton pouls. Oui, t'es stressé. Voilà. T'es stressé. Là, il faut que tu décompresses. Non, là, faut décompresser. Mais j'ai compresse comment, en fait? Pète un coup, je sais pas, fais ce que tu veux. On passe à une nouvelle question. Je te laisse découvrir le visuel. La question est la suivante. Écoute bien. Sois attentive au son de ma voix et réponds le plus limpidement possible. Est-ce qu'il est vrai que Mila Jasmine est un exemple pour toi? Non. Je te regarde pas. Mais non, mais c'est la musique, elle est stressante aussi. La musique, elle est stressante. La musique, elle me stresse ma main. Ah, mais ça, la musique, je peux pas la couper. Non, c'est pas un exemple. Pourquoi? Peut-être au niveau beauté, make-up, elle se maquille très bien, ce que tu veux. Mais dans la tête, je préfère être moi qu'être elle. Je te sens plus détendu. Tu vois, il t'a fallu peut-être 4 décharges électriques pour te sentir mieux. Arrête, on a à chaque fois qu'on va vouloir me faire taire, on va me donner un taser. Maddy est-elle une influenceuse idéale à tes yeux? Non. Peut-être c'est quand je la vois, je suis énervée. Ah mais ça c'est possible. Ça, pourquoi ça te provoque de l'énervement? On s'aime pas. Pourquoi vous aimez pas? On s'aime pas. C'est comme ça. On s'aime pas. On n'est pas fait pour être copines. On n'a pas la même vision des choses. On est totalement différentes. Et elle m'a volé mon Wesley. Voilà, je le dis. Ah. Voilà, mon Wesley, c'est mon Wesley. C'était mon Wesley. Ton agent, c'est ça? Oui. Moi, je suis possessif. Voilà, tu l'as mal pris, c'est ça? Oui. Qu'est-ce que t'as mal pris? Qu'est-ce qui t'a déplu? Que dès qu'elle est arrivée dans l'agence, eh ben, Wesley était beaucoup avec elle au lieu d'être avec moi. Donc c'est une crise de jalousie, je l'assume, je l'avoue. Comme en amour? Oui. Comme en amour, comme en amitié. Mon agent, Wesley, c'est mon Wesley, et ça restera mon Wesley, et j'aime pas que ce soit le Wesley des autres. Mais est-ce que c'est à cause de ça, spécifiquement, que tu l'aimes pas, ou est-ce que vous avez un historique, quelque chose, parce que j'étais pas au courant? Je n'aime pas sa personnalité, on n'est pas compatible. Tout simplement, on n'est pas faite pour être copine. T'es une fille émotive? Oui. T'es sensible? Oui. Ok, alors c'est peut-être pour ça que la machine, elle réagit au quart de tour avec toi. C'est-à-dire que si tu vois une photo et que ça te provoque quelque chose comme là, il doit le sentir, enfin la machine doit le sentir. Parce qu'il se passe quelque chose au niveau de tes battements cardiaques. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça que depuis le début, je te dis, Mel, calme-toi, sois zen. Je suis un taureau, c'est rouge. Ce que je veux dire, c'est que tu veux calmer quoi? Qui? Comment? Ben, on va essayer justement de te maîtriser au travers de ce challenge. Ça va? Ok, vas-y, continuons. J'ai peur. T'as envie de pleurer? Non, c'est bon, je suis chez nous, je pleure. Là, on peut jouer.